Salut, zami mouen. Jodi a, nan numéro 780, nan rubrique nou an, ma Bible, mon trésor, nou pral présente ou les quatre dimensions de l'amour de Dieu. Nou pral li pou ou même youn nan pi bèl texte nan Nouveau Testament concernant l'amour de Dieu. C'est une prière de l'apôtre Paul. Nou joignons ni dans Éphésiens chapitre 3 verset 14 à verset 21. Le verset central est le verset 18 où l'apôtre Paul demande à Dieu de nous donner l'intelligence et la connaissance afin que vous puissiez connaître la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu pour nous manifester en Jésus-Christ, son Fils. La première chose, c'est déjà une grande bénédiction de connaître l'amour de Christ, de faire l'expérience de l'amour de Dieu pour nous. Et déjà, l'amour ça, l'y surpasser toute qualité connaissance. Deuxièmement, dans le texte ça, apôtre Paul présente nous les quatre dimensions de l'infini. Elle comparait ces dimensions à l'amour de Dieu manifesté pour nous. Bon, c'est vrai, moi-même avec nous pas habitué avec Jean de l'amour ça. Elle totalement difficile pour nous comprendre vrai sens li si cet esprit bon Dieu pas aidé nous. Imaginez que vous trouvez dans mitan la mer, ou voyagez vers le sud, le nord, l'est et l'ouest ou pas ouais en ken rivage, en ken plage, en ken boute. Kon ya, sou ta voye zyo en lè, se vre, wap wè niyaj yo, men ou pap jam ka rive wè bout siel la. Bon, sou ta gen posibilite pou gade nan fon lan mè, e la anko, li tap tre difisil pou mesure le profondeur. Malheureusement, ekzanp sa, pap kapab edo genyen tout bon vre, yon ide, osi feb ke swat el, de dimensyon de l'amour de Dieu pou vou. J'en t'ai toujours dit ou lia, bon Dieu remè ou, li remè ou tout bon vrai. La largeur de l'amour de Dieu fait surtout référence à la grâce de Dieu. Ça veut dire, l'amour bon Dieu, pas de préjugé, pas de favoritisme, pas de racisme là dans lui. Aussi loin que vous êtes capable de trouver, le Seigneur vous aime et il vous appelle à recevoir sa grâce et son salut. Dans l'amour bon Dieu, et dans salut Seigneur, il n'y a pas aucune trace de distinction de race, de sexe ou de condition sociale. Jean Éphésiens 3, verset 6, expliquez-nous l'IA. Dieu vous aime largement. L'amour bon Dieu pour vous-même, lit sans limite. Seigneur, pas garder son apparence pour l'approcher plus près, pour le dire ou l'irémer, pour le montrer qui j'en remets et pour l'offrir le grand salut pour votre âme. Contrairement à ce que disent les politiciens, c'est le Seigneur Jésus vraiment qui à la croix étend deux bras li pour l'accepter et recevoir nous toutes qui d'accord li remet nous et partager une très bonne relation d'amour avec lui. La deuxième dimension de l'amour de Dieu citée par l'apôtre est sa longueur. L'amour bon Dieu pour nous-mêmes long. Dieu nous aime de toute éternité. Par la bouche du prophète, l'Éternel Dieu a dit à son peuple Israël, « Je t'aime d'un amour éternel. » Jérémie 31, le verset 3. Et nous autres, Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Et nous gagnons assurance ça. Les nous d'accord rentrer nos relations positives avec le Seigneur, nous ne périrons jamais parce que l'amour de Dieu sera toujours disponible pour nous. Dieu nous aime depuis toujours. Il nous aime constamment et il nous aimera toujours. Zami mouen, la largeur et la longueur de l'amour de Dieu, ces deux premières dimensions de l'amour de Dieu, c'est une preuve vraiment extraordinaire. Dieu vous aime réellement. Pas de doute sur ça.
Et le vœu de l'apôtre Paul, c'est que nous connaissions, nous faisions l'expérience de cet amour de Dieu. Moun ki gen zorey pou tande, tande. Et tan pri, n'ap encourage ou pran pi bel décision ou bien réaction ki genyen à la manifestation de l'amour de Dieu pour vous. À la prochaine.